Pendant que nous dormons, je dis, pendant que nous dormons, voilà ce qui se passe au milieu de la nuit. Pendant que toi, tu dis, tu as fini de travailler et que tu vas trouver la paix en dormant, voilà ce qui se passe au milieu de la nuit. Si tu n'as pas eu la chance que c'est chez toi que ce genre de personne a s'introduit là, qu'est-ce qui va t'arriver? Regardez très bien avec tous les détails. Eh, hey, mais ça fait peur. Donc mes forces, j'espère que vous avez bien vu. Je voulais vous présenter cette vidéo là parce que même si la maison est clôturée comme il se doit, mais il y a des gens là et ils sautent clôture. Et quand ils arrivent là-bas comme ça là, ceux-là c'est pour tuer. C'est pour tuer parce qu'ils ne sont pas prêts à ce que tu vois leur visage pour que le lendemain tu les dénonces. Donc, ils vont forcément te faire du mal. Tu n'as pas eu la chance et puis ce genre de personne s'introduit dans ta maison. C'est pour aller te faire du mal. C'est pour aller te faire du mal. Hey! Donc, même si la maison est clôturée, quand on veut se coucher, au moins que toutes les portes soient fermées. Afin de non, il fait chaud, on laisse les portes ouvertes là, dans la cour là-bas. Là. C'est dangereux. Oh. C'est dangereux parce que pendant que toi tu penses que tu es en paix là, il y a des gens là. Eux là, et ils s'en vont. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc le boulot est fini au point où c'est ce que. Hey! Il n'y a plus boulot, hein. Il n'y a plus boulot. Il n'y a plus boulot. Franchement, frère, soeur, arrêtons ça. Si tu es volé comme ça, pardon. À un moment donné, arrête ça. Parce que ça, là, c'est pas ce que Dieu t'a envoyé sur terre pour faire au fait. Donc, changeons d'attitude. Même si pour gagner l'argent, c'est difficile.